contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu enfin la box sur demande de Ben HPTS. Et la voici, je l'ai reçue. Vous savez très bien, dans cette box, vous retrouvez 5 produits officiels, des fois non, Harry Potter pour une valeur de 50 euros, qu'il n'y a pas toujours. Cette box coûte 29,90 €, parce que pour un centime, elle coûte 30 balles, on peut se mentir. C'est la numéro 7. Les frais de port, maintenant, vous le recevez chez vous en colis poste. Vous payez, je vous l'arrondis, hein, c'est à 7 euros et quelques centimes. Je vous l'arrondis à 8 euros. 8 euros de frais de port, ça fait mal, comme vous avez vu ma vidéo d'avant de cette box. Je trouve ça cher pour le frais de port. Je préférais recevoir ça d'un point relais avec Mondial Relais, parce que les frais de port, on va pas se mentir, c'était moins cher, c'était environ 5 euros. Et moi, je trouvais ça sympa, ça faisait travailler des magasins, des bars, des librairies, tout ça, qui, dû, vous savez, ce magnifique virus qu'on a, tout ça, ça lui faisait vivre, tout ça. Et là, ben, on le reçoit par la poste. Honnêtement, je sais, l'écologie, tout ça, c'est important, mais on paye un frais de port de 8 balles, on va pas se mentir. La boîte est défoncée. Voilà, on voit pas, mais là j'ai des points, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. La boîte est dégueulasse, je peux pas la garder. Là, les petits points écrasés, ouais, on se demande, il n'y a plus rien de protection. Certes, faut faire gaffe au carton, tout ça, mais avant il y avait un emballage à l'époque quand il avait commencé noir. Après, on l'a plus, après, on a une boîte en surplus, tout ça. Je sais, faut être écolo, tout ça, mais là, la boîte elle était écrasée. Voilà, on paye 8 euros de frais de port. Voilà, j'espère que dedans, il n'y a rien de cassé. Tout à l'heure, je suis sous coup de la gauche à droite, j'entends les trucs bouger. J'espère que c'est bien protégé. On va ouvrir ça. Je ne l'ai pas préouvert, je n'ai pas pu, voilà. Hop, on va ouvrir ça. J'espère que j'ai réussi avec mes magnifiques ciseaux. Voilà. Hop. Tac, on va l'ouvrir en live avec vous, comme d'habitude. C'est magnifique. Aussi la protection, un pauvre scotch. Quelqu'un l'ouvre, hop, il sert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va là. Après la poste, elle est honnête, mais voilà. Pour une personne honnête. Voilà. Ouh. Comment ça se présente? Comme d'habitude, vous retrouvez une petite lettre de sa part. Hello les amis moldus magiques. Voici la 7e édition de la box sur demande. Un an et demi après la création de cette box, je suis une fois super hyper excité à l'idée que vous découvrez cette nouvelle contenu de ces produits magiques. Merci de votre confiance. A très vite pour la prochaine édition Ben HTPS. J'espère que ça va être bien. Des fois on a des produits bas. Qu'on n'aime pas, c'est logique, c'est le risque d'une box ou qu'on a déjà, ou il nous fait 36 fois la même chose mais différemment. Ouais, aujourd'hui je suis méchant, je trouve, mais c'est un point, c'est la 7e, faut être réaliste, faut être honnête. Moi je vais pas dire oui c'est bien, non on paye. Voilà, je suis honnête, je vais pas vous mâcher les mots, je vais pas vous mentir, je suis pas pour vous mentir. Je sais pas, déjà comme d'habitude vous trouvez comme ceci, il n'y a pas la petite carte d'abonné, pas la carte qui est décassée. On va ouvrir ça tout de suite, on va voir s'il y a dedans. Comme d'habitude vous retrouvez ceci, c'est le petit design de dessin qui fait des cartes de marque-page, tout ça. Comme d'habitude. Je les garde, honnêtement, je sais, une fois j'avais reçu la comme une nounou, il n'y avait pas la carte, mais il avait commandé deux fois la box. Je les ai vendus. Mais sinon, je les garde toujours. Ça, c'est sympa parce que ça fait un... Mince, il faut tomber un truc. Attendez. Hop là. Ah, bah c'est un petit pumpkins. C'est marqué Potteress et très de lettres. Fier, c'est tout petit, désolé. Voici le petit pins, il est simple, mais il est pas mal. J'aime bien. Vous avez quoi d'autre? Ah oui, j'ai le petit à gratter quand vous avez les premières 50 ou les 200. Vous avez un petit truc à gratter pour voir. Ah, si on gagne, le gagne.
Alors, si on gagne des objets, j'ai toujours eu perdu. On sait jamais, en fait, on n'a jamais su s'il y avait des gens qui avaient gagné, au fait. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Moldu, ok, attendez, je grade, je grade. Perdu. On n'a jamais su s'il y avait des gens qui avaient gagné, au fait. J'ai envie de pas être cool aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, il met ça, mais on n'a jamais entendu parler quelqu'un s'il n'a pas mis sur Instagram ou d'autres vidéos pour dire, hey, il y a eu un gagnant. On n'a jamais su, en fait. Vous recevez à chaque fois sa petite carte dédicacée. Bah, la photo, il a pas une super tête dessus. D'habitude, il sourit, tout. Puis là, il a la tête, c'est pas super. Bon, bah, après, on va pas. Voilà, c'est une photo, elle est pas mal. Faut pas un truc. C'est bien, il a marqué. Elle est trop sombre parce qu'on voit un petit peu la dédicace. Comme d'habitude, vous savez que je suis chiante. J'aimais bien au début des bugs, c'est marqué le nom de la personne. Ça faisait une petite personnaliser les bugs pour chaque personne. Je comprends très bien, c'est très long à faire, c'est très chiant. Tout le monde s'appelle pas le même nom, tout. Mais c'est sympa parce que voilà, déjà il signe une par une. Pardon, je trouve ça très sympa de sa part de mettre ça dedans. Et c'est jamais les mêmes photos, ça c'est sympa. Encore, vous retrouvez un petit marque-page des studios. Ah! Des deux côtés, c'est pas mal. D'habitude, c'est qu'une côté et l'autre côté, c'est blanche. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, ça change. Je suis là, j'aime bien. Ah! C'est nouveau, ça. Un petit dessin, pour une fois, de la maison des Weasley. C'est pas mal. C'est chouette. C'est gay. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Maintenant, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose dedans? Et non. C'est vide. Après, on a quoi d'autre? Je pioche. Les banderoles. Cool, je voulais l'un des... En plus, je voulais acheter la même. Une chose que je n'ai pas achetée. Une chose que je n'ai pas achetée au final. Je voulais acheter exactement la même qui tient. J'ai tout tombé, moi, aujourd'hui. Je voulais acheter la même, mais au final, une chose. Sinon, j'aurais en double. Ouais, c'était exact. Ouais, on va ouvrir ça tout de suite, comme la grandeur, tout. Là, ça a l'air d'être petit, mais ça me va, moi. Qu'est-ce qui est petit, mignon. J'aime pas être trop grand, tout. Ah bon, c'est normal, je dis qu'elle est petite, c'est normal. Faut peut-être la déplier, elle est très fine. Là, voici, vous la faites voir en longueur. C'est pas facile à vous faire tout pour tout. Bah, les canons, franchement, simple, le noir, ma couleur que j'aime. Bah, je valide, franchement, il avait déjà mis ça dans une box, si je me trompe pas. Oui, je l'avais pas commandé, il était en rupture de stock. Ah, au fait, je fais un peu de pub. Si cette box vous intéresse, elle est toujours en stock d'habitude. 2-3 jours après, il n'y a plus rien. C'est chaud patate pour les avoir. Là, il y en a encore. Si vous voulez commander, vous pouvez toujours commander. Bah, franchement, je voulais exactement commander le même, mais juste que je ne l'ai pas commandé. Je le trouve sympa. La matière, c'est toute douce, tout. Pas trop grand ni trop petit, tout ça. Honnêtement, je valide. Mais comme je vous dis, il y a un an, il avait mis le même style banderole à thé rouge. Si ça vous dit quelque chose, regardez dans mes anciennes vidéos de Bugs sur demande. Je crois qu'il c'était déjà. Je suis médisante aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On retrouve quoi? Oh! On retrouve des dessous de verre. Bon, la qualité, bon, bah, c'est un peu. Voilà, c'est simple, basique. Serpentard, vous retrouvez Griffon d'or, Peau souffle. Mince, Starbank. Bon, bah, c'est les lettres en anglais. C'est dommage. Bah, si c'est lui qui a fait ça, bah, je trouve dommage qu'il a mis des lettres en anglais. Mais c'est vrai. courageux. En plus, c'est marqué en anglais. Moi et l'anglais. Ça fait deux. Vous le savez très bien. C'est sympa pour une petite soirée, tout ça, Harry Potter. Ça peut être sympa. Ou à exposer, tout ça. Ou... Je trouve ça sympa. À exposer pour mettre les petites pop dessus, tout ça. J'aime bien les dessous de verre pour ça. Pour ma collection. Après, on pioche. Ouh, ça sent le stylo, ça. Ah! Un stylo, comme d'habitude, on retrouve toujours du papeterie. Il est sympa, le vif d'or, tout ça, je trouve ça sympa. C'est. Non, pardon, j'ai fait dire, ça me voit un 4 couleurs, mais non, il y a plusieurs couleurs là-dessus. C'est pas mal, c'est bientôt la rentrée, tout. Un stylo, c'est toujours utile. C'est vrai, les stylos Harry Potter, si vous êtes. Dites-moi si en commentaire, c'est comme moi. J'achète des stylos.
ça me plaît, ou je les aime dans les box, ça, ça reste assez délicieux, sauf chez nous, parce que ça ne coûte pas très cher. Comme vous avez vu sur mon Instagram, j'ai trouvé des stylos Reine des Neiges à 1,50€, avec la petite pop dessus, je trouve ça va. C'est vrai, les stylos, je n'achète jamais parce que j'en ai toujours dans les box. Comme à chaque fois dans ces box, il nous met toujours un petit truc papeterie parce qu'il est fan de papeterie. Ça va, c'est pas comme d'habitude, il nous met à chaque fois une trousse avec gomme, règles, tout ça, des trucs comme ça. Il a changé, c'est sympa, il a changé tout ça. C'est des produits qu'on ne trouve pas toujours dans les commerces. Franchement, j'ai jamais vu ça, ce format-là. Je le trouve sympa. C'est original, vous êtes en cours, vous avez ça, c'est sympa. Bon, bah les couleurs violet, rose comme ça, jaune, tout ça, c'est pas les couleurs qu'on écrit. Mais pour avoir, pour écrire des idées vidéo, tout ça, c'est sympa. Ou à exposer dans un crayon Harry Potter, je trouve ça sympa. On n'est pas comme une licence, c'est des articles que je n'aurais jamais acheté dans la vraie vie. Oh, il y a un truc qui était bien. Vous savez quand ça fait mine d'un matériel. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est des bonbons. C'est des bonbons. Appuie pour ouvrir. Ouais, ok. Marquez quoi dessus? Confiserie magique depuis 1900. Je pense que c'est lui qui a fait une création parce que la box d'avant, je pensais que c'est la bougie, c'était un créateur, tout ça. Mais non, non, c'est lui qui avait fabriqué avec des personnes, tout ça, cette bougie. Et je pense que c'est pareil, c'est lui qui a ajouté ceci dedans. C'est des Smarties. J'adore les Smarties. La boîte est sympa, ça fait une petite frite. On goûte. C'est des Smarties, j'adore. C'est sympa. Franchement, ça je valide. Ouais. Mais à refermer, on fait comment? D'accord. C'est simple. On appuie, ça ouvre les côtés. On appuie sur les côtés, ça referme tout. Bon, ça fait du bruit. Mais ça, je valide, c'est original. Il n'avait jamais fait dans ses box. Il fait un petit truc créateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est un carnet. Je crois que c'était des stickers à coller, tout ça. Des pochoirs. Non, des patchs. Des patchs, pardon. C'est un... pardon. C'est un magazine. C'est un magazine. Mais il le dit n'importe quoi. C'est un carnet. Ça, c'est original. Pareil, dans ces box, vous retrouvez à chaque fois des carnets. Il est fan de carnets. Et ça, il nous met jamais les mêmes carnets. Ça, c'est sympa. Il trouve des trucs originaux. Ça, c'est sympa. C'est original. Tout, je kiffe. Je valide. Je valide. Franchement, cette box, bah, elle a un peu relevé l'autre de moi, la 6e. Parce que je pensais pas recommander. Et au final, là, il m'a donné l'envie. C'est original. Croyez de la moquette. Honnêtement, on croyait trop de la moquette dedans. Ça se présente comme ceci. Les lignes, alors ça va, sont sympas les lignes. Vous êtes aussi comme moi quand vous n'utilisez pas les tissus Harry Potter ni les gommes, tout ça. Est-ce que vous êtes pareil? Vous n'osez pas utiliser les carnets? Ah, ici j'ai bien compris, c'est des scratchs. On peut scratcher comme on veut. Ça, c'est sympa, c'est original. C'est un truc que je n'aurais jamais acheté. Je valide, j'adore. C'est dommage, moi je mettrais bien. Si vous rangez dans une bibliothèque, par exemple. Tac, vous mettez ça comme ça, c'est franchement, c'est pas mal, c'est original. Vous arrivez comme ça avec des... Mince. Dans les cours, c'est original. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, il n'y a rien d'autre. Bon, comme d'habitude, je fais toujours mon top 5. Il y a combien d'objets au fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 objets. Numéro 7, je mettrai les dessous de verre. Bah, c'est lui qui les a fabriqués, je pense. C'est dommage, c'est marqué en anglais parce que tout le monde est nul en anglais. Pas tous, mais certains. Par exemple, moi, je suis pas très douée, je mettrai ça. Je crois en plus, il nous a pas déjà mis dans des box d'avant. Les dessous de verre, c'est bon, une box, ça va. Si les gens comme moi, ils l'achètent à chaque fois, on s'en retrouve avec combien des. Dessous de verre. Bon, il y a que ça qui est pas super. Numéro. Après, ça, bon, ça me plaît. Ça me plaît bien. Les petites cartes, comme d'habitude, qui nous met. Bah, c'est toujours la même chose, mais c'est jamais le même dessin. Ça, je valide. C'est sympa à mettre dans les cadres, tout ça. C'est original, ça fait un mur un peu.
pas comme les autres, ça je valide, franchement peut-être je les mets peut-être au numéro 6, mais je valide. En numéro 5, je mettrai le petit stylo. Ouais, je vois pas si j'ai autant d'objets là. Numéro 5, le stylo, je le sympa, il est original. Je valide. Numéro 4, je mets les bonbons. Ça, je kiffe, super original. Il a jamais fait un truc comme ça. C'est sympa, c'est fait lui-même. C'est avec des collabs. Je me trompe pas, comme on dit. Je crois qu'il y avait 5 objets en fait. Je me trompe là. Ouais, vous avez compris. On va au celui que j'aime pas le moins. Meilleur. Le prochain, je mettrai le carnet. Parce que franchement, il est original. Franchement, c'est un truc que je kiffe. Il est sympa, il est original le carnet. Franchement, j'ai jamais vu qu'il existait dans le commerce. Ça, je valide, c'est sympa. Et numéro 1, le winner. Je mettrai le petit drapeau parce que je le kiffe, c'est une couleur que j'aime bien. Certes, il a déjà mis dans une box de l'année dernière, mais c'est sympa et le noir j'aime bien. Et en plus, je voulais l'acheter, en plus ça tombe bien, une chose que je n'ai pas commandé. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Allez, bye, bisous bisous. Et aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire. Mettez en commentaire si vous avez bien aimé cette box ou pas. Si vous aussi vous l'avez commandé ou pas. Et voilà, j'ai tout dit. N'oubliez pas de t'abonner, liker la vidéo comme d'habitude, le même blabla. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye, bisous bisous.